En 2018, les contribuables français ont payé 138 euros de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. L'auteur d'Historiquement Correct, Jean Sévillia, s'attelle à une tâche considérable, raconter sans manichéisme et sans œillère un sujet explosif, ce que l'on appelle la guerre d'Algérie, les vérités cachées de la guerre d'Algérie. Jean Sévillia, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur TV Liberté. Ma première question nous ramène en fait à 2018. Peut-on rétablir, s'attaquer aux caricatures, aux contre-vérités comme vous le faites, quand un ministre de l'Intérieur, il y a quelques jours, voit dans les Gilets jaunes un 6 février 34 de séditieux, ou qu'un député, Ruffin, pour ne pas le nommer, fait de Marie-Antoinette le diable proposant au peuple de manger de la brioche. Écoutez, s'attaquer à ce genre de lieu commun, c'est mon travail depuis une vingtaine d'années avec d'autres. C'est évidemment un travail qui consiste à vider le tonneau des Danaïdes, il se remplit toujours, mais il faut revenir à la tâche sans cesse, parce que la vérité ne peut pas doit triompher, et il faut de la ténacité. Alors, restons sur la méthode. Il n'y a jamais eu de consensus sur l'histoire de la guerre d'Algérie, et parmi les très nombreux livres sur les questions, les procédés d'Historiquement Correct sont souvent en œuvre. Anachronisme, ce que vous révélez, réductionnisme, occultation. Et comment réussit-on à faire la part des choses? C'est-à-dire qu'on fait table rase de tous les points de vue, ou comment procédez-vous? Écoutez, moi je lis d'abord beaucoup, et je lis tous les points de vue. J'ai lu des historiens anticolonialistes, j'ai lu des historiens défenseurs de l'Algérie française, j'essaye ensuite de faire mon propre point de vue. Je regarde aussi un peu les points de vue d'en face, point de vue algérien, la lecture algérienne post-62, donc de la guerre, ce qu'ils appellent la guerre d'indépendance, est aussi intéressante. On apprend toujours quelque chose en lisant un regard adverse. Et donc, moi, j'ai essayé de poser tout sur la table. Personnellement, je n'ai pas d'affect dans cette affaire, puisque je ne suis ni issu d'une famille de Français d'Algérie, je ne suis pas d'une famille de militaires. Donc, j'ai un regard d'historien sur ce qui a été un drame national. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux regards qui ont été posés sur la guerre d'Algérie? D'un côté, eh bien, ceux qui ont combattu l'Algérie française et qui l'ont fait de manière propagande, avec de la propagande, et ceux qui l'ont défendu et qui ont, vous l'avez dit, l'affectif dans leur regard. Bien sûr, bon, il y a toute la lecture anticolonialiste qui accuse la France, l'armée française et les Français d'Algérie de tous les péchés, ça on connaît. Enfin, c'est aussi toute une littérature. Je le comprends très bien, les Français d'Algérie ont vécu une tragédie, on leur a volé leur pays, ils sont orphelins d'un pays qui n'existe plus, selon la formule de Jean-Pax Meffray. Ce sont des blessés à vie, je le comprends très bien. Et les militaires français qui ont combattu là-bas ont fait une guerre extrêmement dure. Maintenant, faire de l'histoire, ça suppose de la distance avec son objet, et je pense qu'il faut cette distance. J'ai essayé d'avoir, moi, cette distance, en tout cas. Alors, le premier élément qui m'a passionné, c'est un rappel, c'est que la conquête de l'Algérie, eh bien, elle s'est faite dans la violence. Vous savez cette phrase, les Français vont l'oublier, que ça s'est fait dans la violence, mais les Arabes ne l'oublieront pas. Oui, il y a une mémoire indigène, si vous voulez. Les militaires français qui ont fait la conquête, ensuite ils sont partis ailleurs. Et puis les colons qui sont arrivés après, eux n'ont pas fait cette guerre de conquête. Mais cette guerre de conquête a été dure, 250 000 sans doute à 300 000 morts. Or, la mémoire indigène, elle a conservé la mémoire, une mémoire orale. Le monde arabo-musulman, il connaît l'écriture, mais c'est aussi beaucoup un monde de l'oralité, de la tradition orale. Il y a une mémoire indigène, autochtone, qui a gardé la mémoire de cette guerre extrêmement violente. Et ça, il y a multiples sources qui le montrent. Au fond, il y a
même 50 ans, 60 ans, 70 ans après la conquête, dans l'Algérie coloniale pacifiée, le français est vu quand même quelque part comme un conquérant, quelqu'un qui a conquis, et avec l'idée que pour beaucoup qu'il devra repartir un jour. C'est-à-dire que, si je vous comprends bien, cette violence de la conquête de l'Algérie, c'est quand même, ça a mal démarré, si on peut dire. – Ça a mal démarré, de toute façon, il y a une tradition de violence dans ce pays qui date de l'Empire ottoman, c'est un pays où le sang coule vite, facilement, beaucoup de cruauté, avec toute une symbolique sexuelle dans l'acte de guerre. Hein. Mutilations sexuelles sont courantes là-bas, mais ça fait partie d'une tradition, je dirais, ethno-culturelle, si vous voulez. Et donc, c'est un pays avec une, marqué par la violence. Voilà. C'est un pays de contraste, il y fait très chaud l'été, très froid l'hiver, c'est un pays c'est un pays dur, en fait, l'Algérie. Est-ce qu'on avait intérêt à s'y rendre? On s'y est rendu. On ne va pas refaire l'histoire, on pourrait dire. On aurait mieux fait de prendre Alger, d'y installer une base militaire et de se contenter de cela. Ce n'est pas le choix qu'a fait la monarchie de Juillet, puisque c'est sous la monarchie de Juillet que la restauration, puis la monarchie de Juillet qui a vraiment fait la conquête sous Bugeaud. Il faut hériter de l'histoire. Nous avons hérité d'une histoire complexe. Est-ce que ce n'est pas non plus le point de départ de ce que vous allez appeler le nationalisme algérien? Bien sûr. Qui, lui, va pas cesser de croître de 1910 à 1954, ce sera la date de naissance du FLN. Est-ce que c'est vraiment ce point de départ ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont provoqué aussi la montée de ce nationalisme? Il y a un nationalisme algérien, mais il y a aussi le fait que. Moi, je pense qu'on a empêché, il y a une maladresse. Si vous voulez, c'était une société duale avec les Arabes, les Kabyles, enfin les Arabo-musulmans, la population autochtone, indigène, comme on disait à l'époque, avait la nationalité française, elle n'avait pas tous les droits de la citoyenneté. Et le processus d'élargissement de ceux qui pouvaient être citoyens était bloqué par des considérations religieuses, puisque pour être citoyen, il fallait renoncer à son code personnel coranique pour adopter le code civil, ce que la plupart ne souhaitaient pas, évidemment, les musulmans algériens ne souhaitaient pas pour des raisons religieuses, sinon c'est apostasié pour eux. Mais le résultat, c'est qu'on avait deux types de populations dans ce qui était, en théorie, depuis 1848, des départements français. Et donc, il y a une sorte d'une société duale, il y a un nationalisme algérien qui se forme, et puis, il y a comme une responsabilité, je pense, des élus européens qui, par peur d'être submergés par le nombre, ont bloqué l'ascension d'une élite musulmane francophile qui a existé et qui, à force de se voir bloquée dans son ascension sociale, s'est radicalisée. Elle est passée d'une volonté d'autonomie à l'indépendance, et l'indépendance à l'idée de la lutte armée. Une grande occasion manquée pour moi, c'est un homme comme Ferhat Abbas, c'est une chose peu connue, qui était maurassien de formation quand il était étudiant. C'est un homme qui aimait la France. Il voulait plus de pouvoir, plus d'identité pour son peuple. Et puis, comme il n'a pas obtenu ce qu'il recherchait, il s'est radicalisé, il s'est tourné. À la fin, il a fini par rallier le FLN. Ça fait partie des occasions manquées. Parallèlement à ce nationalisme, on va observer aussi un renouveau religieux islamique. La colonisation laïque voulue par la métropole était en fait, et vous le dites, une colonisation presque anticléricale au départ. Et donc, elle n'aura pas été finalement un rempart au prosélytisme islamiste. Ah, pas du tout. Au contraire, l'armée française qui fait la conquête est une armée formée par la Révolution, par Napoléon. C'est une armée anticléricale. Qui va plutôt favoriser, qui dans l'idée de respecter l'islam, ce qui peut se concevoir localement, mais qui a toujours fait obstacle, en effet, aux volontés, a mis des bâtons dans les roues à l'Église d'Algérie, qui est fondée en 1838, premier évêché en 1838. Toutes les tentatives d'évangélisation de prosélytisme chrétien de la part de l'Église d'Algérie a été bloquée par l'armée française et par l'administration française, où la franc-maçonnerie comptait beaucoup. Donc, en effet, l'Algérie n'a jamais été en situation d'être évangélisée sous la présidence française. Et au fond, l'Église d'Algérie, qui était évidemment importante, mais c'était l'Église des Français, c'était l'Église des Européens. – Et ce qui est assez amusant, enfin surprenant, c'est que ce que vous dites en 1838 est encore valable jusqu'à la fin de la présence française, c'est-à-dire que l'Église catholique d'Algérie va être en fait, avoir une double tâche, mais bien évidemment, j'allais dire, c'est pour ses propres oies européennes, et un service, j'allais dire, de santé, comme on le voit pour les moines de Tibérine, par exemple. – Ah, tout à fait, bien évidemment. Ils étaient l'Église des Français, mais par ailleurs, dans la grande tradition chrétienne, les moines ou les religieuses ou les prêtres soignaient tout le monde, et des milliers
laïcs musulmans ont profité de la générosité, de la charité de l'Église catholique d'Algérie, bien sûr. Alors, j'avance bien sûr à grands pas dans cet ouvrage qui, bien évidemment, lui prend son temps. En février 2017, et vous le rappelez, à Alger, le futur président de la République, à l'époque Emmanuel Macron, a affirmé, tout en scandalisant d'ailleurs, que la colonisation de l'Algérie a été un crime contre l'humanité, niant ainsi que la France a mené en Algérie une œuvre colonisatrice, civilisatrice, aussi de 1830 à 1962, pendant 132 ans. Est-ce que pendant ces 132 années que vous avez regardées pleinement et avec du temps, est-ce que vous considérez que la part de la France en Algérie est positive? Sa part, son action sur l'Algérie, elle est positive? La France a créé ce pays. L'Algérie n'était pas, ce que nous appelons à nos jours une Algérie, n'avait pas d'unité politique quand la France l'a conquis. La France donc a créé ce pays, lui a donné des infrastructures, des routes, des chemins de fer, a créé le mot, on peut le rappeler, lui a donné des routes, des chemins de fer, des barrages, des infrastructures matérielles, a fait une œuvre scolaire qui a mis du temps à émerger, qui a existé, qui a touché les indigènes, et surtout, je pense là où la plus grande réussite, c'est dans le domaine médical. L'Algérie était un pays infesté de maladies, d'épidémies qui ont été éradiquées par la France. La France a créé un réseau hospitalier extrêmement important, alors qui, effectivement, joue moins sur les indigènes que sur les Européens, pas par une volonté de discrimination, mais c'est parce que les Européens étaient majoritairement des citadins, et que, tandis que la population musulmane était plutôt rurale, et que l'Algérie était sous-administrée par la Troisième République, puis la Quatrième République, qui s'est efforcée après la déclaration de la guerre de réparer les lacunes antérieures. Mais enfin, on manquait d'écoles, on manquait d'hôpitaux dans le fin fond du bled algérien. Mais dans les villes, étaient soignés aussi bien les Européens que les musulmans. Est-ce que néanmoins, on a quand même fait le reproche, et qu'il faut l'entendre, qu'on avait créé finalement deux sociétés qui se côtoyaient en Algérie sans se mélanger. Il y en a même qui ont dit que c'était une forme d'apartheid. Est-ce qu'on peut retenir ce thème d'apartheid ? Non, le terme d'apartheid est injuste et n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu dans la loi française, il y avait des distinctions juridiques qui tenaient au statut personnel, mais il n'y a jamais eu décrété de concept racial, si vous voulez. Un Algérien musulman pouvait accéder à tous les droits. De la nationalité, il l'avait, mais de la citoyenneté, s'il en faisait le choix. Il y avait un blocage religieux, qui en général, il ne le voulait pas. Mais enfin, un apartheid, non. Et d'ailleurs, les petits Européens et les petits Arabes allaient sur le même banc d'école, quand ça n'était pas le cas dans le sud des États-Unis, où les dernières discriminations raciales sont levées à la fin des années 60. Donc, ce n'est pas une société d'apartheid. Maintenant, de facto, effectivement, il y a deux types de populations. Un indicateur de fusion d'une société, quand il y a plusieurs types de cultures, ce sont les mariages mixtes. Or, les mariages mixtes en Algérie n'existaient pratiquement pas. Mais là, le facteur religieux jouait, chrétien, juifs et musulmans. Ça pose toute la question. On retrouve évidemment dans l'Algérie française des questions qu'on a aujourd'hui en France. La jonction entre l'appartenance à l'islam et la jonction l'appartenance à la nation française, je pense qu'elle est possible, mais elle est problématique. Deux sociétés qui se côtoient, et pendant cette guerre d'Algérie, deux réactions. Et là, vous dites qu'on a beaucoup axé sur la violence de l'armée française, puis ensuite de ceux qui résisteront, mais qu'on a souvent caché la réalité de la violence, de la haine et de la monstruosité du comportement des nationalistes algériens, puis du FLN, à l'égard des Européens, à l'égard des soldats français, puis ensuite à l'égard même des Algériens qui avaient fait le choix de la France. Dès 1954, le FLN fait le choix de mener une guerre de type terroriste. C'est classiquement dans l'histoire une réponse du faible au fort. Ils assument ce choix. Donc, ils assassinent des innocents, qu'ils soient européens ou qu'ils soient musulmans. Et de 1954 à 1962, le FLN a systématiquement utilisé le terrorisme comme une arme de guerre et l'a utilisé contre
l'armée française contre les civils européens, mais aussi à l'intérieur de ses propres rangs. Il y a des purges au sein du FLN dont on parle peu, j'en parle dans le livre, qui sont absolument épouvantables. Et puis une guerre aussi, la chose est moins connue, entre, il y avait un rival du FLN qui était le mouvement national algérien, le MNA de Messali Hadj. Il y a une guerre entre, qui se déroule aussi en métropole, en France donc, entre militants du FLN et du MNA, qui est une guerre féroce qui fait des centaines et même des milliers de morts, par assassinat. Alors, parmi les grandes questions qui se posent, la première, elle est évidente, c'est, en lisant une phrase, vous dites « La guerre d'Algérie fut d'abord une guerre politique avant d'être une guerre militaire ». Tout au moins, vous reprenez ce point de vue. Est-ce que cette guerre, elle pouvait être évitée ? Au stade où on en est au début des années 50, de toute façon, moi, je pense que l'intégration avait déjà échoué avant le début des années 50. Le déclenchement de la guerre fait que le gouvernement de gauche appelle l'armée. L'armée essaye de... Elle fait une guerre, elle va la gagner militairement quand on lui a donné les moyens. C'est le plan Chalk, qui est d'ailleurs un plan décidé sous le général de Gaulle. Maintenant, le fond de l'affaire, c'est qu'il existe un nationalisme algérien qui survit toujours. Là où l'armée pacifie, si elle se retire au bout de quelques semaines, eh bien, les réseaux FLN se reconstituent, parce qu'ils s'appuient sur un nationalisme qui est là, qui est une réalité. On ne refait pas l'histoire. Malheureusement, je pense qu'il aurait fallu, pour que cette guerre n'ait pas lieu, il faudrait remonter l'histoire aux années peut-être 30 ou quelque chose on a raté. Mais justement, on ne refait pas l'histoire. Est-ce que ce qu'on a raté, on ne l'a pas forcément raté totalement au Maroc, par exemple, est-ce qu'on peut rapprocher l'attitude qu'on a eue au Maroc de celle de l'Algérie en tirant des conclusions ? C'est-à-dire que le Maroc, comme la Tunisie, était des protectorats, statuts différents. L'Algérie était considérée comme un territoire français, un territoire intégrant du territoire national, des départements français. Je pense que c'est une vision jacobine qui consiste à plaquer une structure politique française sur un pays avec un fond de population et dont la culture, la religion étaient radicalement différentes de ceux de la population métropolitaine. C'était un projet voué à l'échec à l'origine. Et un homme comme le futur maréchal Lyautey, qui n'avait rien d'un progressiste anticolonialiste, mais qui était un vieux monarchiste catholique de tradition, lui-même, puisqu'il a été en quelque sorte le proconsul du Maroc, il a toujours été respectueux des indigènes, et il disait, il sentait qu'un jour la France devrait quitter les pays du Maghreb, parce qu'un jour ces peuples auraient accédé à l'autonomie. De toute façon, il y a une certaine logique qui est une logique d'abord philosophique. L'Occident et la France en général a vécu au nom du peuple, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est une idée de la Révolution française, qui est une grande idée qui anime après tout les traités de paix de 1918-1919. Donc dans l'entre-deux-guerres, il y a un nationalisme algérien qui naît, un nationalisme arabe en général, qui s'appuie sur cette idée, qui est une idée occidentale, mais que les pays, que les colonisés ont repris à leur compte. Là aussi, dans cette étude de cette guerre, est-ce que vous considérez, je pense à un ami comme Roger Hollande, qui m'a toujours dit, mais en Algérie, on a gagné la guerre militairement, mais c'est politiquement que, bien évidemment, on l'a perdue. Mais que sur le terrain, on l'avait gagnée. Est-ce que vous partagez ce oui, point ? Oui, fin 1960, les réseaux de la LN sont éliminés à l'intérieur de l'Algérie. Maintenant, la LN n'est pas éliminée, elle a constitué des bases extérieures au Maroc, et surtout en Tunisie, il y a une armée extérieure dirigée par Boumediene qui va jouer un grand rôle dans l'Algérie indépendante, évidemment. Et puis les conditions politiques ne sont pas réunies. Encore une fois, oui, l'armée a gagné, mais si l'armée, je suis persuadé que si l'armée s'était retirée, eh bien le réseau se serait reconstitué. D'ailleurs, il y a des endroits où on l'a vu, parce que eh bien, ces réseaux s'appuyaient sur une idée d'indépendance qui était lancé dans l'esprit du peuple algérien. Alors, évidemment, il y a tous les musulmans qui ont combattu avec la France, mais c'est assez récent de voir, si on regarde les motivations profondes des harkis, beaucoup étaient favorables à une forme d'autonomie et même certains à une forme d'indépendance de l'Algérie. Et beaucoup se sont engagés à être aux côtés de l'armée française, révoltés par la violence du FLN, si vous voulez. Mais c'était des gens qui voulaient aussi que l'Algérie évolue vers une forme d'autonomie puis d'indépendance par rapport à la métropole. – Alors, cette indépendance, vous dites finalement,
elle était un peu inéluctable. Là, vous reprenez quand même les propos du maréchal Lyautey que vous citiez, qui lui, quand même, le dit en 1925. En 1925, il dit, ben voilà, ça sera inéluctable, et il fait une déclaration qui est une déclaration publique. Bien sûr, bien sûr. Et on se dit, à partir de cela, on est en 1962, mais comment l'indépendance a pu être aussi mal faite finalement? Comment on a pu sortir de ce bourbier aussi mal? Est-ce que c'est la responsabilité directement du général de Gaulle ou de ses prédécesseurs? Alors, la responsabilité du général de Gaulle est engagée. Alors, au moment où il accède au pouvoir, l'Algérie est en guerre. Enfin, s'il y a la guerre en Algérie, le terme n'est pas lâché, la situation est déjà, moi, me paraît compromise. Maintenant, de Gaulle va accélérer le processus. Il arrive au pouvoir en 1958 avec l'idée qu'il va donner l'instrument d'indépendance à l'Algérie, ça j'en suis persuadé. Et comme il est pressé en raison de son âge, il a un septennat devant lui, 58-65. Il a un grand projet pour la France, faire de la France un pays, grand pays industriel, et doté d'une puissance nucléaire, capable de résister aux Russes comme aux Américains. Il veut lâcher l'Algérie. Pour lui, la guerre d'Algérie, c'est un boulet. N'oublions pas, et ça c'est une vérité économique, que l'Algérie, puissant du point de vue de ses coûts militaires comme du coût civil, représentait 20% du budget de la France en 1960. C'est-à-dire qu'en un cinquième de la richesse nationale passait dans l'Algérie. C'est considérable. Hein. Ce n'est pas pour défendre dire la façon dont ce qu'a fait de Gaulle, mais il faut avoir cet élément en tête. N'importe quel gouvernement, quel que soit son orientation, se retrouvait dans ce problème. Et donc, mais comme de Gaulle était pressé, eh bien, il a accéléré le processus. Je ne pense pas qu'il voulait donner l'Algérie au FLN. Au départ, ce n'est pas son intention. Maintenant, il ne va pas trouver d'interlocuteur, parce que le FLN, au fond, a liquidé tous ses autres interlocuteurs, où les interlocuteurs se sont ralliés au FLN, à l'électeur algérien, et donc ça va finir comme ça. Et donc, il lance un processus d'autodétermination qui est fini aux accords d'Évian, en 62, où les garanties données aux intérêts de la France sont très minimes, et vont être en plus tous violés une fois l'indépendance acquise par le FLN. Donc la responsabilité personnelle de Jean-Gaulle est engagée. Maintenant, moi comme historien, je pose la question, si le général de Gaulle était mort en 1957, s'il n'y avait pas eu de 5e République, qu'est-ce qu'aurait fait la 5e République finale quand on voit que c'était un régime faible, qui était soumis aux Américains? Or, les Américains faisaient pression pour l'indépendance de l'Algérie, notamment à partir de la découverte du pétrole. Je ne suis pas sûr que la 5e République aurait gardé longtemps l'Algérie. Voilà. Donc, oui, grande responsabilité de Gaulle, responsabilité morale effrayante même, parce que son indifférence face au sort des pieds noirs, face au massacre des harkis, est glaçante. Maintenant, je ne suis pas sûr que la 4e, s'il n'avait pas existé, que ça ne serait pas advenu, alors peut-être sur un processus un petit peu plus long, mais à peine plus long. Malheureusement, l'affaire était très mal engagée. – Alors depuis l'indépendance, l'Algérie n'est guère sortie de la violence. Les relations entre la France et l'Algérie ne sont toujours pas objectivement apaisées. Et on arrive à la fin, vous le citez là aussi, de l'ère Bouteflika. Est-ce que des bouleversements politiques majeurs s'annoncent? Nous sommes dans une inconnue, je ne suis qu'historien et pas devin. Maintenant, il est évident que l'Algérie est un pays à la démographie explosive, donc son régime politique est un régime corrompu, de vieux militaires, c'est la même caste politique qui se maintient au pouvoir depuis 1962, schématiquement. Les réseaux islamistes sont en embuscade, ils ont été vaincus par l'armée algérienne au cours de ce qui est pour les Algériens la vraie guerre d'Algérie. 9 Algériens sur 10 d'aujourd'hui n'ont pas connu la guerre d'indépendance, qu'ils appellent la guerre d'indépendance. Pour la majeure partie des Algériens, la guerre, quand on leur dit guerre d'Algérie, c'est la guerre contre le FIS, contre les islamistes des années 90. Ces réseaux islamistes, disent les spécialistes de l'Algérie, les enquêteurs, sont en embuscade. En effet, l'Algérie peut être une bombe. Les meilleurs des esprits algériens, des hommes comme Boualem Sansal ou Kamel Daoud, qui sont des écrivains de talent et qui sont très lucides sur, tout en étant très algériens, mais sur l'avenir de leur pays, poussent des cris qui sont des cris d'inquiétude. – Est-ce que la France peut subir cette situation ou elle peut en tirer peut-être profit ?– Subir, si y a une explosion du système algérien, il est probable que nous aurons une vague migratoire plus importante qui viendra du Maghreb. Mais de toute façon, c'est l'ensemble du bassin méditerranéen qui va être touché, c'est un très problème géopolitique pour l'ensemble de l'Europe. – La guerre d'Algérie n'est pas finie ?
Malheureusement, elle n'est pas finie. Pourtant, il faudrait en finir parce que c'est un grand pays, un pays jeune. C'est notre pays voisin, par définition. Il n'y a qu'une mer qui nous sépare. Aujourd'hui, mer, c'est rien. On voit bien. Voilà. Donc, il faudrait arriver à dépasser ce conflit de mémoire, à finir la guerre d'Algérie, celle d'au moins la guerre d'indépendance, et avoir une relation pacifiée avec ce pays pour envisager un avenir qui soit en tout cas équilibré. Merci beaucoup Jean Sévillia pour cet ouvrage « Les vérités cachées de la guerre d'Algérie », remarquable, puissante synthèse sur cette guerre qu'il faut connaître et qu'il faut apprendre parce que nous n'en avons pas fini. Merci. Merci.